Jeudi 1er août 2019, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Avec la 1er édition Éclair Info pour moi, d'août là, mais quelques principales informations qui peuvent faire essentiel journal. Cérémonie graduation 67 nouveaux commissaires police réalisés jeudi 1er août 2019 là dans local académie police la sous route frère dans Pétionville. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, membre pouvoir judiciaire, membre pouvoir législatif là, membre corps diplomatique à consulaire pour nous citer ça seulement. Dans le discours, Constance Lee, directeur général PNH, la Michel-Ange Gédéon, mandé nouveau commissaire policier pour yo toujours gain volonté et détermination pour bay plus résultat. Pape Dan, tête collée avec groupe appui rapatrié et réfugié, gare, annoncé participation une délégation haïtienne dans la 8e assemblée Pep Caraïbes qui a réalisé dans le pays Trinidad et Tobago, sorti 15 pour arriver 19 août, qui a venu là. Selon le secrétaire général PAPDA, professeur Camille Chalmers, l'Assemblée Peuple Caraïbe là, a permis de réfléchir sur belle identité commune afro-caraïbio construite ensemble pendant plusieurs siècles. Plateforme nationale syndicat institution publique a dénoncé mes arbitraires et dit employés ont absibi dans la boîte l'État. Une membre directoire plateforme nationale syndicat institution publique yo Marilita Décolline fait diverses recommandations à autorité yo dans objectif pour améliorer conditions vie employé. Dans page internationale journal la pays États-Unis décidé imposer une série sanctions contre chef diplomatie iranien Mohamed Johab Zarif. Sanction sa yo rive nan yon moment côté administration américaine nan ap mette en pile pression sous régime iranien li accusé kap déstabilise Moyen-Orient. Selon chef diplomatie iranienne nan, série sanctions pays États-Unis décide pren contre li même nan gen pour objectif fait pays Iran garder silence li sous scène internationale. Kicks. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les paboulés gaz, la pneu n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là, c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoï, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il y a belle 10 machines ça, en prix spécial, prix promotionnel. Parce que l'objectif de Universal Motors, c'est permettre plus de monde toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. 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 Où vous voulez, quand vous voulez. Venez admirer, venez essayer Nissan Kicks là, dans le nouveau showroom Nissan sur Route Aéroport. Nissan, innovation that excites. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, 4 jours après, presque expiré. L'a expiré dans un mois. Merci, laissez-vous faire moi ça. Mangez ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maës. Mika. Ça, quel adon? En forme? En forme, oui. Ça va, là. Bien achetons 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 millibles de tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé, une box côté, ou bien n'importe qui sale, une box. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça, Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans bapé, bah, yo. Vois ça, c'est au capté. Non, ouais, ouais, vois ça, m'abjé. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Cérémonie graduation 67 nouveaux commissaires police déroulée jeudi 1er août 2019 là dans l'académie
Police la soute, frère, cérémonie ça a été réalisée en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, membre pouvoir législatif la, membre pouvoir judiciaire, membre corps diplomatique à consulaire pour nous citer ça seulement. Dans le discours circonstance, le directeur général PNH la Michel Ange Deyon félicité nouveau commissaire policier qui, malgré difficiles conditions de travail, y arrivé franchi une nouvelle étape ça dans l'institution. Numéro 1 PNH la mandé nouveau commissaire pour y toujours gain volonté et détermination pour bailler résultat. Directeur général PNH la, Michel Ange Deyon, t'es dans micro radio télé éclair. Rentrez par la grande porte à l'Académie nationale de police, après avoir réussi le concours du franchissement du cadre, auquel il y avait beaucoup d'arrêts, les inspecteurs tribunaires qui étaient 70, aujourd'hui, ils sont 67 heureux élus. Ils ont enfilé la parure de marine. Enfin, habileté à arborer l'étoile du commissaire au milieu de l'arbre de cercle sur les pattes d'étoiles bleues et bordé enfin le kirby encore avec la jugulaire jaune de la visière cette fois-ci avec des pales, les feuilles de l'oublier brouillées devenues jaune brouillée, symbole de l'appartenance aux grades de ses supérieurs dans les armées comme dans les forces de police. C'est un couronnement après plus de 24 ans de dur labeur. Qu'ils en soient fiers, car ils sont parvenus sur ce mont escarpé, non pas par courage, par favoritisme, mais par le bien des étudiants. Messieurs les élèves commissaires, en 1995, vous étiez frères et moulus comme les initiateurs d'une bonne cause. 24 ans durant, vous avez acquis de l'expérience dans une atmosphère de travail qui parfois laisse à désirer. Et aujourd'hui, vous avez pris une option certaine pour terminer votre carrière dans la cour des plans. Comme c'est beau. La patience et le courage dans le travail, après 7 mois d'éternel, vous allez recevoir un chemin qui couronne votre site d'études, mais il ne sera qu'une présomption de connaissance. La chose la plus importante, ce n'est pas toujours le savoir, c'est plutôt le savoir-être, se fait accompagner de l'esprit du service. Du service que vous êtes appelé à rendre à la communauté du service qui est votre visionnaire. Aujourd'hui, la PNH a besoin de style de leadership, s'évalue à l'aune des services rendus à la population et non à l'aune des services rendus à soi-même. L'odeur est comme une île escarpée sans bord. On n'y peut plus rentrer dès que l'on est en dehors. Comme si le pouvait français, mieux vaut qu'ils ont trouvé un plus d'or. Messieurs les élèves commissaires, je crois vous avoir parlé. Cela ne m'empêche de vous rappeler que ce pays est le but de votre engagement. Cette police, le premier de vos soucis, et cette population, la raison d'être de votre police. Ayez toujours la volonté, la détermination de donner des résultats dans votre institution pour votre pays, pour vos frères et sœurs, d'être dans le strict respect des droits de la personne humaine. Restez loin des dénigrés politiques partisans qui parfois n'ont rien à voir avec Haïti. C'est avec ce prix que vous serez de bons professionnels. Vous aurez alors en vous toutes les valeurs capables de vous permettre de faire une longue carrière. Je voudrais féliciter la direction de l'AMP pour le bon travail accompli. Les représentants de la FIPCA, ceux du gouvernement canadien pour leur accompagnement et leur présence parmi nous.
sœurs, le personnel de l'académie qui ont contribué à la formation de l'UQAM. Chers récipiendaires, je vous souhaite des bons travails pour votre nouveau staff. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bon côté par le président République la Jovenel Moïse fait connait présence li dans cérémonie graduation 67 nouveaux commissaires PNH là montrer à claire volonté administration li gagner pour institution yo gain cadre efficient dynamique et responsable. C'était occasion pour chef l'État plaider en faveur dialogue en tout petit pays pour gain stabilité. Jovenel Moïse mandé tout élu yo pour mettre tête yo ensemble pour permettre pays à gagner un gouvernement légitime qui vienne adresser problème hygiène yo tant coup travail sous budget national là à préparation entre l'école là pour nous citer ça seulement. Président République la Jovenel Moïse dans micro radio télé éclair en Dieu. Je prends plaisir à participer aujourd'hui à la cérémonie de remise au bon chemin de nos 67 commissaires. C'est la preuve concrète de la volonté de mon administration de doter nos institutions de cadres efficients, dynamiques et responsables. J'ai l'honneur d'exprimer mes plus vives félicitations à nos récipiendaires qui viennent de franchir une étape significative et déterminante à l'évolution de la police nationale d'Haïti. C'est en effet un accomplissement majeur pour lequel vous avez dû faire preuve de discipline, de persévérance et consentir d'énormes sacrifices pour en être aujourd'hui le commencement. Depuis que je suis en tête d'État, j'ai toujours apprécié les lieux, invité tout le monde, et était ensemble pour Chita tenter le monde. J'ai toujours demandé à Gaza, parce que je connais une société à diviser entre nous. Faut division, ça fait yon ou paye l'autre. L'hiver, yon ne refuse Chita à droite. Comment on a fait sauver le pays, ça? Si on ne pas parler de responsabilité pas nous, c'est travail ou bien et stabilité politique qui se prenait bien public, jamais habitué. Depuis plus de 4 mois, le pays a pas un gouvernement qui ratifie. Le budget national par l'autre. Situation ça la cause pile bouleversement dans l'économie du pays. L'institution de l'État n'a pas qu'à fonctionner normalement. Partenaires internationaux, pas qu'à engager. Gagner un accord de près de 150 millions de dollars qui signe depuis l'année passée à Taïwan, construit toutes les zones électriques, zones métropolitaines, à 51 autres villes côté pas de courant dans le pays. À quoi ça, il faut vous dire. Loi électorale, il y a plus passé une année, normalement, qui vous permet de poser à l'élection pour vous. La population attend un pile bagaille dans le monde de voter. C'est peut-être ça, une fois encore. Maintenant, il est tout élu pareil. On peut parler du sénateur, député, magistrat, Tazek, Azek, délégué de l'Union, pour nous faire coucher une solidarité. Dans le respect de l'autre et dans le respect de la loi, nous sommes capables de mettre ensemble pour nous payer à un gouvernement pour adresser, presser, problème des gens, tant pour. Entre l'école là, là pour faire des mains. Saison cyclonique, ça fait une sécurité à la réserve. Policiers, nous sommes dans la matrice peuple, même là. Sécurité pays à la même. Devoir par nous, c'est protéger et puis servir tout le monde. Sans particulier. Moi, je connais, nous gradions dans un moment qui est difficile en pile. Côté, la police a fait face carrée
à tout le monde qui va respecter la loi et qui a un gros amour dans mes mains. Donc, si ça y est, si on est en pile derrière les gens dans la société, mais profiter ça, le travail de la police. Travail que la police a fait et la consigne fait pour mettre les bandits dans la corde dans tout le pays. Même qui fait qu'à rentrer dans le commandement de la police, là. Demandez pour nous utiliser toute capacité intellectuelle avec intelligence pour nous mettre en place une bonne stratégie qui va permettre à la police là, qui est efficace dans toute qualité d'intervention avec les policiers. Parce que ça fait sécurité, c'est pas ça fait nous, ça fait sécurité, c'est pas ça fait la police seulement, ça fait sécurité, c'est ça fait tout. Nous tous concernés et nous tous donner de main. Pour sécuriser de la vie dans tout le pays. Je m'en voudrais de finir sans féliciter le directeur général de la police nationale, les formateurs, les cadres de la PNH pour leur support ineffectif. Je réitère les félicitations à tous nos chers commissaires qui recouvrent aujourd'hui leur bon chemin en présence des parents, familles et amis à qui. Éclair Info a continué pour nous dire une organisation force sociale d'Haïti dressé un tableau sommant sous conditions sociopolitiques pays a yodi qui a fonctionné depuis plus passé 5 mois sans aucun gouvernement pour diriger le secrétaire général Union Organisation Force Sociale d'Haïti a Kossi David qui applaudit décision Lidi président République la prend pour nommer yon premier ministre pour venir aider le mener bak pays a exhorté messieurs dames parlementaires yo pour prendre responsabilité yo pour réunir nan souci pour ratifier politique générale premier ministre nommé à yon façon pour doter pays a yon gouvernement légitime pour empêcher le plonger dans plus crise et puis faire face à yon ensemble problème qui sous route li tant coup saison cyclonique là a entré l'école là. Kossi David, c'est secrétaire général Uniforce là qui était dans micro Garlands lui avec Mackenson registre. Jodi a pays a bagayé ça que l'on chef du gouvernement. Nous senti que trois gros problèmes qui vient joindre nous. Les problèmes catastrophe naturelle là quand que n'a pour semaine se passe un concept la pluie qui tombait pour aller regarder marqué inondé. Deuxième problème là, que ça crée l'entrée des classes là qui visait pour 9 septembre, c'est-à-dire est-ce qu'un gouvernement légitime qui a débloqué l'argent un gouvernement qui pas légitime qui a débloqué l'argent? Non. Troisième bagarre là, bagarre des sommets des chefs de gouvernement à travers le monde. Si Haïti pas mener la joue, est-ce qu'on est capable de participer au niveau international? Gagner l'argent pas capable de joindre. Jodi a, n'a dit avec parlementaire ça yo. Président choisi un jeune garçon, tant que Fritz Williams, Michel. Mais depuis qu'il a choisi comme premier ministre, nous avons diabolisé, nous avons dit qu'on va quelqu'un qui dit qu'il a une capacité. Il n'y a pas de dynamique. Jodi a, nous avons fait tout le monde comprendre. Bay possibilité avec des jeunes qui sont capables. Nous disons, l'important jodi a là, pour nous dégager, pour faire des conférences, pour faire des conférences des présidents, au niveau du Parlement haïtien. La Chambre des députés au niveau du Sénat, côté que pour être capable de faire étude, dossier Premier ministre, pour Gabriel, pour attendre la politique générale. Monsieur, il paye une chance. Il Haïti une chance, monsieur. Dans la misère, il paye rien là. Problème de sécurité, problème social, machin de quoi bon salio. Dans une situation difficile. Moi, félicite le président. L'idée de décrire divorce. L'un des bons problèmes de quoi bon sal là. Nous avons commencé de droit quoi bon sal là. Nous avons des mesures de sécurité. Bravo, son excellence, M. Jovenel Moïse. Même bataille là pour qu'on finisse toujours. N'a dit président, nous même au niveau de l'Uniforce, nous très solidaires. Parce que j'ai bien sur ça, quand il y a des atterris avec vision qui ont gagné. Mais au seul bagaille, gros mauvais jeune dans le gouvernement, qui c'est Jonas Kofi. Nous avons longtemps, Jonas Kofi, quand dit président, ou son président est inculpé. Mais Jonas Kofi, comme. Capable de faire un fait au sein du gouvernement avant d'entrer, avant que la ratifie devant le Parlement. Mais en cas que, sur la chance pour commis ce commerce, vous allez obliger de son excellence. Vous allez obliger de son excellence, président Jovenel Moïse. Parce que le roi est talent, vous supposez citer mon président. Mais deuxième aspect à tout, nous-mêmes,
organisation qui proche pouvoir, qui a lié les nous proches pouvoir, qui a soutenu le vice-président, est-ce que ministre commerce ça, pas tourner sa crèche, ensemble des Judas qui pourraient travailler contre le président? Nous disons non, nous-mêmes, nous verrons en haut, nous verrons en bas. On met nous ensemble pour qu'on soit une voix unique, pour développer le pays, pour le peuple ça sortir dans la misère, côté que nous sommes jeunes aujourd'hui. Coordonnatrice générale femme combattante avisée pour développement d'Haïti à Rachel Fontchaine dénoncé mode gouvernance avec façon lidi politique la fête dans pays a qui t'a metté sous côté masse populaire qui selon lui-même toujours a lutté pour mettre mon chef dans sens ça Rachel Fontchaine plaidé pour gain bon disposition qui prend pour intégrer peuple là dans toute action à prise décision qu'apprend dans intérêt pays pendant les conseillers tout politicien yo mette tête yo ensemble pour chercher une solution pour relancer pays d'Haïti. Rachel Fontchaine, c'est coordonnatrice générale organisation femmes combattantes visées pour développement Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Les n'a regardé situation pays a nous le peuple a pas intégré parce que c'est lui toute difficulté pour joindre manger dans assiette li. Pour joindre soin santé. Pour le voir petit l'école et la trier. Président Jovenel est venu avec une vision. Quand il te dit, la mettre moun yo, soleil là, à terre, pour mettre manger dans l'assiette peuple là, à cob dans poche yo. Jusqu'à présent, discours ça pour que j'aime atterri. Parce que ce peuple là toujours dans grand goût, insécurité. À toute qualité problème social. Peuple a toujours à passer misère dans factory, à travailler pour salaire tuberculose. Dynamique transformation, c'est dans nous mêmes pour lier. C'est toute leader politique qui pour mettre ensemble pour penser pour pays. Pour suspendre penser pour tête yo. Pour nous arriver bâti un projet pour peuple parce que peuple a un projet bâti pour lui. Pour pays. À pour pays à tout bon vrai, pour gagner un plan de développement durable, tout bon vrai, pour prendre en compte vrai problème peuple là. Députés, sénateurs, les arrivés pour nous faire un bagage pour peuple là qui a péri, qui pour vous avoir une petite école, l'école là c'est demain. Font bagage pour peuple là, députés et sénateurs. Sous font bagage dans le département, ou font bagage côté ou à développer, côté ou à côté ou te voto là, ou font baga ou gon projet, peuple a voué que yon gen intérêt nan ou, yon pre voto encore. Mais, sou pa fan yon pou yon élection arrive, peuple a pa égaré, il pa pa le voto encore. Parlementaire yon, destin nou nan men nou. Plateforme nationale syndicat institution publique yon dénoncé, journée jeudi 1er août 2019 là. Violation syndicale à quelques mesi arbitraires qui prennent en boîte l'État yo et puis mandé nomination tout employé l'État qui contractuel yo. Yon nan mam directoire plateforme nationale syndicat institution publique yo, Marie Lita Decolline, qui rappelé mission plateforme nationale là, li dit qui se défend intérêt tout employé l'État yo. Critique directeur général ONA Chesnel Pierre, li dit qu'a agi en dehors la loi ak norme administratif yo. Nan révoqué à transférer employé yo, Marilita des hommes dit li constater depuis environ 10 l'année salaire employé yo toujours été même gens. Nan sans ça, li profiter fait diverses recommandations à autorité concernée yo tant kou pour gouvernement ba yon ajustement salaire pour employé qui nan pi bas niveau yo, 4 débit pour tout employé yo et puis réintégrer tout employé révoqué ak mise en disponibilité yo tout suite nan poste yo. En suivant intervention Marie Lita des hommes qui était dans micro Jean Dani Dani Sap Mackinson registre. Plan CIP qui affilié avec CTH créé nan objectif pou bay service à population et nan souci pour défendre intérêt employé yo kap touche yo salaire misérable. Plan CIP ak CTH considéré comme chômage déguisé. Salaire sa journée jodian pas permettre employé au payer caillou. Yo pa ka bay petit yo manger. Yo pa ka voye l'école. Yo pa ka aider l'autre monde qui dans situation difficile en bas la vie chère dans pays.
inflation qui montait 20%, li mettait tout le monde, ni sa kap travail, ni sa pas travail à genoux, sauf si c'est un gros fonctionnaire l'État. L'aime considéré nan ONA, directeur Chesnel Pierre, qui nan tête ONA fait sale pito, sale vle en dehors la loi à norme administratif. Li révoqué employé Jean Vle, li transféré employé sans aucune raison, li révoqué à transféré yon bon employé nan date qui c'est 11 juin 2018. Li mette moun en disponibilité sans sol, sans limite. Li retire yon quantité l'autre employé sous payroll là sans yon pa gen lettre révocation nan men yo. Li gaspille l'argent travaillé yon n'importe comment. Journée jodi a, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif CSCCA pas même besoin faire sortir un rapport pour pays a pour nous te connaître comment Chesnel Pierre crasé ona tant pour tout dirigeant haïtien qui prend administration publique là comme bien maman yo ak papa yo qui té pour yo l'en garder rapport CSCCA sorti sur ona. Ça veut dire Chesnel Pierre écrasé ona dans espace 2 ans à quelques mois. Dans affaire corruption, Chesnel Pierre pas gain pareil parmi tout directeur qui passait dans tête ona. Dans sens ça, plan CIP ak CTH constaté depuis environ 10 ans, salaire employé l'état yo rete même gens. Pendant tout produit première nécessité yo continue à monter. Tête nègre et puis Woodland a perdu valeur chaque jour devant dollar. Pour toute raison ça yo plan CIP ak CTH mandé pour gouvernement bayon ajustement salaire de 300% pour tout employé qui nan pi bas niveau dans l'état. Plan CIP ak CTH mandé 4 débit pour tout employé l'état yo. Plan CIP ak CTH a exigé pour gouvernement nommer tout employé qui gen contrat. Plan CIP CTH mandé pour réintégrer tout employé révoqué ak mise en disponibilité yo tout de suite dans boîte l'état. Plan CIP CTH mandé tout employé l'état yo rete soudé ensemble. Yon façon pour gouvernement prendre en compte conditions travail employé yo. Pabda, nan tèt kole ak groupe apui rapatrie ak refuge gar, annonce participation Haïti à travers une délégation nan kad 8e assemblée pep Karaïb la kap fèt nan pays Trinidad ak Tobago nan date 15 pour rive 19 août kap vini la. Secrétaire général Pabda, professeur Camille Chalmers, qui présentait assemblée pep Karaïb la comme un espace échange, fait connaître c'est pral yon moment pour yon faire vivre grande solidarité qui gagne dans mitan tout peuple caraïbe. Plus information avec secrétaire général Pabda, professeur Camille Chalmers qui était dans micro Jean Dani Dani Sak Mackinson registre. Considérer que Caraïbes sont espace stratégique pour peuple haïtien. Non seulement peuple caraïbe subit exactement même processus historique avec nous, yo subit colonialisme, yo subit néocolonialisme, yo subit domination impériale et yo subit toute qualité de déstructuration avec pillage et richesse pays, richesse la nature, richesse mer Caraïbe. Et je dis, nous conscients que tout projet authentique d'émancipation pour le peuple caraïbe doit au projet plurinational qui embrasse différents peuples qui sont Caraïbes. Et premier révolutionnaire haïtien, premier dirigeant du processus révolutionnaire haïtien 1791-1804, tu es très conscient de ça. Comme Moutakou Dessalines, par exemple, tu as des rapports, des échanges de correspondance serrés avec Miranda. Nous voyons qu'il y a un rôle que Haïti a joué, par exemple, pour permettre que Bolivar reprenne force et continue la bataille contre l'Espagne. Et de Bolivar écrit dans la mémoire que si ce n'est pas Haïti, il va être capable de battre l'Empire espagnol. Donc, nous gagnons une vocation historique en tant que peuple haïtien pour nous continuer à participer dans la bataille de libération. Et nous gagnons toute une responsabilité pour que nous fassions vivre la solidarité dans le peuple caraïbe d'aujourd'hui, hein, qui c'est une réponse essentielle que nous sommes capables de faire. Capable de permettre nous avancer vers un Caraïbe grand monde tête, un Caraïbe solidaire, un Caraïbe uni, et un Caraïbe qui est capable de répondre à besoins essentiels,
femmes, garçons, à tout le monde qui la donne. Donc c'est dans l'esprit ça que nous avons construit l'Assemblée Peuple Caraïbe à partir de 1994. Donc de 1994 à 2019, nous faisons déjà 7 éditions. L'8e, nous allons faire là du 15 au 19 août. Et Haïti a gagné l'honneur pour organiser 3e édition qui était faite au Cap-Haïtien en 2003, en août 2003, avec un plus succès, avec participation de 1200 délégués qui étaient sortis dans toute région du pays hein, et dans 23 pays et territoires dans le Caraïbe. Et nous pensons que, malheureusement, le peuple haïtien, à cause d'un ensemble d'influences idéologiques, toujours très intéressé à ce qui a passé en Europe, ce qui a passé aux États-Unis, ce qui a passé au Canada, et puis nous fermer genoux, bien nous ignorer complètement ce qui a passé là à côté de nous. Barbade, ça a passé Martinique, ça a passé Antigua et Barbuda. Alors que ça a passé dans le pays Sahel, non seulement concerné nous, mais nous avons une responsabilité pour nous travailler avec le peuple Sahel pour être capable de libérer la tête. Donc, Assemblée Peuple Caraïbe, 8e édition, pour préparer l'Assemblée Sahel, nous toujours fait un large processus de concertation entre les organisations haïtiennes. Il y a une quarantaine d'organisations haïtiennes qui participent dans plusieurs assemblées de préparation. Et là, nous avons un comité de coordination que PAPDA a dirigé pour nous capables d'assurer nous que nous avons une délégation d'organisations haïtiennes qui est présente dans la 8e édition. Donc, dans ce sens, ça, pour avoir un pile débat, pour avoir un pile réflexion sur 7 sous-thèmes, à l'intérieur du grand thème Unité à résistance peuple caraïbio, pour avoir 7 sous-thèmes et Haïti pour le travail spécifiquement sur la question de la migration et nous pourrons tout porter tout un ensemble d'informations, vidéos, photos, textes. Pour que le peuple caraïbe comprenne exactement dans quel moment nous sommes dans le pays d'Haïti et comment que je dis on a mené un bagage qui est vital pour l'avenir de ce pays, qui c'est justement la rupture avec la domination impérialiste, la démission de Jovenel Moïse et la possibilité pour entrer dans un processus de transition qui permettra de reconstruire ce pays sur des autres bases. Sous Bopal, travailleur social, groupe appui rapatrié et réfugié à Nelson Gentilus, fait qu'on est question migration, c'est un sujet actualité selon lui-même qui c'est bon opportunité pour gare poser problème migration et puis prendre une série résolution. Nelson Gentilus, c'est travailleur social gare qui était dans le micro Jean-Dani Danis avec Mackinson au registre. Thème délégation haïtienne pour présenter dans l'Assemblée, c'est migration, libre circulation moun dans Caraïbes là, implication montée régime nationaliste, montée raciste et montée xénophobie. Donc et question migration c'est une problématique d'actualité. Donc on a profité de participation délégation haïtienne pour poser problème migration, problème libre circulation, surtout problème et violation droit moun qu'a fait en République dominicaine. Mais ce n'est pas seulement en République dominicaine, dans plusieurs autres pays, côté qui a une forte présence haïtienne. Donc, la participation, GARE, il porte un intérêt stratégique, parce que GARE travaille sur la question de migration. Donc, c'est une belle opportunité pour que nous posions problème migration, problème droit migrants, surtout en République dominicaine. Et nous connaissons la République dominicaine, c'est un acteur clé tout dans le cadre de l'Assemblée. Ça, c'est un bon moment pour nous mettre question ça sur le tapis, pour nous discuter et prendre des résolutions. Dans la page internationale journal la pays États-Unis décide d'imposer une série de sanctions contre chef diplomatie iranienne là Mohamed Javad Zarif. Sanctions sa yo qui rive dans un moment côté administration américaine là mettait en pile pression sous régime iranien li accusé cap déstabiliser Moyen-Orient. Selon chef diplomatie iranienne là, série sanctions pays États-Unis décide prendre contre lui-même yo gain pour objectif fait pays Iran garder silence li sous scène internationale là. En suivant un reportage avec Euronews. L'Iran encore et toujours dans le collimateur de Washington. Cette fois, c'est au tour du chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, d'être sanctionné par les États-Unis. Sanctions qui interdisent toute transaction avec lui et qui prévoient le gel des actifs qu'il posséderait aux États-Unis. Le ministre a réagi sur Twitter. La raison invoquée pour me sanctionner, c'est que je suis le principal porte-parole de l'Iran dans le monde. Ces sanctions n'auront aucun effet sur moi. Je n'ai aucune propriété ni aucun actif en dehors de l'Iran. Bien que présenté par Washington comme étant un nouvel effort pour priver le régime iranien des ressources destinées au terrorisme et à l'oppression du peuple iranien,
ces sanctions ne font pas l'unanimité aux États-Unis. Pour le sénateur républicain Rand Paul, le fait de sanctionner des diplomates affaiblit la diplomatie. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Cérémonie de graduation 67 nouveaux commissaires police réalisés jeudi 1er août 2019 là, dans le local Académie Police là, sous route frère dans Pétionville. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, membre pouvoir judiciaire, membre pouvoir législatif, là, membre corps diplomatique à consulaire, pour nous citer ça seulement. Dans le discours, Constance Li, directeur général PNH, la Michel-Ange Gédéon, mandé nouveau commissaire policier pour toujours gain volonté et détermination pour bail plus résultat. Pape Dan a tête collée avec groupe appuyé rapatrié et réfugié. Gare annoncé participation une délégation haïtienne dans 8e assemblée Pep Caraïbes qui a réalisé dans pays Trinidad et Tobago sorti 15 pour arriver 19 août qui a venu là selon secrétaire général PAPDA professeur Camille Chalmers assemblée Pep Caraïbes là a permettre yo réfléchir sous belle identité commune afro caraïbio construit ensemble pendant plusieurs siècles. Plateforme nationale syndicat institution publique yo dénoncé mezi arbitraire yo di employé yo ap sibi nan boîte l'état yo youn nan mam directoire plateforme nationale syndicat institution publique yo Marilita Décolline fait diverses recommandations à autorité yo nan objectif pour améliorer conditions vie employé yo. Nan page international journal la pays États-Unis décidé imposer une série sanctions contre chef diplomatie iranien Mohamed Johab Zarif. Sanction sa yo rive nan yon moment côté administration américaine nan ap mette en pile pression sous régime iranien li accusé kap déstabiliser Moyen-Orient selon chef diplomatie iranienne nan. Série sanctions pays États-Unis décide prendre contre lui-même nan gen pour objectif faire pays Iran garder silence li sous scène internationale. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal la. Nan mi kwa pou te présenter au journal ça Darlene François. Rete branché pour es programmation télévision. Bonsoir.